Bonjour, nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à Francis Pognon. Vous allez assister ? Bonjour. On est que 4 ? Oui. Je venais un peu par curiosité, parce qu'en fait, Coco, je le connais de la pétanque. Hein, Quatrième personne qui n'est pas sur ma liste. J'accompagnais normalement Monsieur Malenpoint. Je me suis enfermé dans les toilettes. Bonne continuation. Tout a démarré lorsqu'il se coince le doigt dans la porte, glisse sur une slide ville. À l'hôpital, contracte un staphylocoque doré dont il ne se relèvera pas. C'est quelqu'un, un dur à cuire, on l'appelait Coco. C'est pas quelqu'un qui faisait l'unanimité au sein du club de pétanque. Entre nous, on l'appelait Gros Con. Ouais, voilà, vraiment un gros con. Je pouvais pas le saquer, moi. Une fois, il était très mauvais perdant. Pour pas perdre, il avait bouffé le cochonnet. Très poignant, hein. Merci. Il avait aussi voulu avaler une boule. Tu vas trop loin, Francis, ça rentrera pas. Ça marche pas. Monsieur Pognon n'avait pas pris l'option. Forfait minimum. Le fait peut-être le plus marquant de la vie de Monsieur Pognon, ça aurait été sa naissance. Le monsieur qui ne devait pas être là, vous avez de l'encens. Donc ça, c'est un autre problème, on a un timing assez serré. Donc Monsieur Lapoule, est-ce que vous avez un témoignage à apporter sur Monsieur Pognon ? Le donjon, c'est ça que vous vouliez. Merci beaucoup. Avec tout le monde autour, il y avait une boule dans chaque main. Merci beaucoup. Bon. Bam. A taper dans le champ. Là, j'ai jamais vu ça. Monsieur 100%. Merci beaucoup. Ça finissait en... Tout pouvait gicler d'un coup. Il repartait auréolé. Merci beaucoup. Francis avait pas beaucoup de ni de famille ni d'amis. Hein. On est là, on est là. Denis est passionné de marionnettes. Et... On est là. Nous allons pouvoir procéder à la quête. Comme vous le savez, et nous allons donc procéder à une quête virtuelle. Je vais vous envoyer un lien vers le compte PayPal et il vous suffira juste de cliquer. Ma clé, c'est 561. Je voudrais donner une petite couronne. J'ai pas de réseau là. Je suis désolé, on m'attend. Le corps va rester dans cette chambre virtuelle. Vous pourrez le consulter autant de fois que vous voulez. On peut envoyer le PDF. Ça me permettrait de savoir si je le connais. Est-ce qu'on pourrait voir le corps ? J'aimerais bien faire une capture d'écran. Pas de regret, personne. Très bien. Francis, vous qui nous avez quittés, vous êtes, je le pense, aujourd'hui bienvenue là où vous êtes. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses. Voilà. C'est très émouvant, vraiment. Merci de votre chaleur. Ce dernier voyage pour Monsieur Francis Pognon. J'ai appelé les pompiers pour que je puisse sortir des toilettes. Non, on va s'en occuper. C'est fini leur bordel. C'était naze.